plus loin seul, loin de votre zone de confort. C'est le sous-thème qui a été développé au cours de cette conférence sur le développement personnel par Christian Bungu qui a mis l'accent sur la notion de solitude dont il a dégagé les avantages. Pour le conférencier, il faut sortir de sa zone de confort pour basculer vers la zone d'apprentissage et en savourer les fruits après avoir surmonté les épreuves. La seconde étape de cette conférence a été la série de questions et réponses des participants. Un moment d'échange, de partage d'expériences et de témoignages, au bout duquel Christian Bungu a résumé le thème de cette conférence. Ce qu'on va retenir ce soir, c'est que dans toutes ces capacités qu'on doit avoir, le plus important, c'est de ne pas être influencé par les autres. Parce que chacun de nous a une ligne de vie individuelle. On n'est pas là pour copier. Chacun de nous peut trouver la lumière ici, mais là où moi j'ai trouvé la lumière, ça ne veut pas forcément dire que toi à côté, c'est là-bas que tu vas trouver la lumière. Une soirée mémorable pour les participants qui en sont sortis satisfaits et riches d'enseignements. C'est quand même une bonne philosophie de sortir de sa zone de confort inconfortable. Nous avons souvent cette petite voix qui nous dit au fond de nous, oui, je dois faire ci, mais je dois faire ça. Mais il y a des pesanteurs. Souvent, c'est la famille qui vous dit non, vous avez été à l'école, ce que vous voulez faire, ce n'est pas bien. Vous voyez derrière vous les charges que vous avez et tout. Nous avons souvent cette peur. Mais il faut prendre des décisions. Le changement, il faut toujours le... Il y a même un adage qui dit, les changements les plus souhaités ont toujours leur mélancolie. Donc, en fait, c'est ce changement-là. Cette bascule, comme il a parlé, la bascule-là, c'est ce dont les gens ont peur. Ce que j'en tire ce soir, c'est que tout le monde puisse arrêter la procrastination, sortir de sa zone de confort et oser. Ôter tous les blocages, que ce soit psychologique, environnemental. Il faudrait baisser les barrières, les briser si possible, pour pouvoir sortir enfin de cette zone de confort et briller. Arriver où on ne vous attend pas en fait. Soyez où on ne vous attend pas. Et demeurez inclassable. Ne permettez pas aux gens de vous dicter qui vous êtes ou où vous serez demain. C'est à vous de prendre cette décision et dès aujourd'hui. L'initiative est déjà très salvatrice et dans le sens où le thème interpelle aujourd'hui, vu le contexte Covid et les réalités socio-économiques et politiques qui connaissent le pays. Donc il est question aujourd'hui pour des jeunes et pour des plus vieux de travailler, de commencer à se remettre en question sur la zone de confort. Nous sommes appelés à travailler et à développer ce qui se fait déjà. Et pour ma part, j'ai été vraiment outillé, de sorte qu'une fois que ça ne marche pas où je suis, penser à rentrer dans l'entrepreneuriat et même seul, faire des choses. Christian Bungu, qui en est à sa 4e expérience du genre, a déjà projeté la prochaine séance pour maximiser les chances des participants vers un véritable développement de leur personnalité.